Honorable Rachid Ibouazanci, bonjour. Bonjour, cher ami journaliste. Honorable Rachid Ibouazanci, le chef de l'État, Patrice Talon, a reconnu dans son interview lors de la rencontre des entrepreneurs de France, F2022, le recul démocratique qu'a connu le Bénin sous sa gouvernance, tout en estimant que le Bénin n'aspire pas à une expression démocratique comme en France. Des propos qui ont suscité une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Que pensez-vous de cette déclaration du président de la République face aux chefs d'entreprise français? Je vous remercie. Je pense que la déclaration faite par le président de la République face aux entrepreneurs français est de la pure vérité. Elle est sans hypocrisie et sans maquillage mensonger. En venant du président Patrice Talon, que je connais très bien, pour son franc-parler, ça ne me surprend pas. Il faut bien se connaître soi-même pour mieux assumer ses propres choix. La démocratie, elle est universelle, c'est vrai, mais il n'existe pas de modèle démocratique universel. Chaque pays choisit son modèle démocratique en fonction de son histoire, de sa sociologie et de ses aspirations profondes de son peuple. C'est une parfaite illusion de vouloir reproduire le système démocratique d'un pays dans un autre pays. La démocratie américaine n'est pas la même que la démocratie française. Et bien évidemment, la démocratie française ne peut pas être la même que la démocratie béninoise. Le minimum que l'on recherche dans une démocratie, c'est la séparation du pouvoir et le respect de l'état de droit. Le reste est déterminé par un certain nombre de facteurs propres à chaque pays. Il est utopique de vouloir imposer ou transposer dans un pays en guerre ou qui sort d'un conflit armé, le modèle démocratique d'un pays en paix. Si la démocratie n'est pas adaptée aux besoins des peuples, elle devient un poison, une arme de destruction massive et un catalyseur de sous-développement. La France a déjà tout construit, tout bâti. Ses dirigeants se battent pour maintenir le cap. Le Bénin est en construction et son premier dirigeant, le chef de l'État, Patrice Talon, se bat pour que nous ayons tout accès à l'eau potable, aux soins de santé adéquats, à l'énergie pour les besoins des ménages et des industries, aux infrastructures routières de bonne qualité. Vous voyez que l'expression démocratique en France ne peut pas être la même chose qu'au Bénin. Comme en France, le Bénin ne peut se permettre qu'au nom de la démocratie, des citoyens cassent tout, détruisent tout, vandalisent les biens publics en toute impunité, parce qu'il y a des revendications et parce qu'ils sont en désaccord avec les autorités sur telle ou telle décision. Non, je dis non. Nous ne pouvons pas choisir une telle expression démocratique qui ne nous ressemble pas du tout. Chez nous, le chef est sacré. On ne peut pas porter atteinte à sa sacralité sans en subir des conséquences lourdes. En France, même lorsque quelqu'un se permet au nom de la démocratie de gifler publiquement le chef de l'État, pour des raisons politiques, il va seulement en prison pour 3 mois et de retour de prison, il devient la guest star des chaînes de télévision au nom de la démocratie. Aucun pays africain, encore moins le Bénin, ne peut adopter une telle expression démocratique. À chaque pays, la démocratie qui lui correspond. Les internautes ne sont pas indignés seulement à cause des propos du chef de l'État sur la démocratie. Ils sont nombreux à se dire scandalisés lorsque le président de la République, Patrice Talon, a dit face aux entrepreneurs français, je cite, « J'aime la France et je me sens bien ici. D'ailleurs, je ne parle que le français, je porte un nom qui ressemble au vôtre. Comprenez-vous leur désapprobation ?» Non, laissez-les. Ils sont dans l'émotion. Et je les invite à rentrer dans la raison et élever leur niveau de connaissance des enjeux économiques de notre monde d'aujourd'hui. Il faut impérativement dédramatiser les propos du président Patrice Talon devant les investisseurs français. Le chef de l'État est dans une mission de diplomatie économique de haut niveau. Son langage est purement diplomatique. Quand on n'est pas un spécialiste des langages diplomatiques, on ne peut pas avoir des ressources intellectuelles pour décoder et décrypter les propos du chef de l'État en de pareilles circonstances. De même, monsieur le journaliste, les émotifs doivent savoir que nous sommes dans un monde qui impose la guerre économique à tous les États qui veulent survivre. La guerre économique s'impose à tout le monde. Ou bien vous la menez, cette guerre,
ou c'est elle qui vous malmène, contrairement à d'autres dirigeants du monde qui ont choisi les armes, les sanctions économiques ou l'instrumentalisation des institutions internationales pour livrer cette guerre. Patrice Talon a choisi d'engager le Bénin dans cette inévitable guerre économique par le verbe, le langage. C'est mieux que la violence et la manipulation. Dans sa quête des investissements directs, étrangers, français, le Bénin est en compétition avec d'autres pays du monde. Les propos du chef de l'État devant les détenteurs des capitaux français relèvent d'un langage de guerre économique au bénéfice de la diplomatie économique béninoise, que les émotifs élèvent le niveau du débat et cela leur fera du bien. Honorable Rassi Blanci, je vous remercie pour votre disponibilité à participer à l'actualité de notre pays. C'est moi qui vous remercie, cher ami journaliste.